Ce dimanche 30 juillet, à l'occasion du 56e anniversaire du regretté producteur Frank Sora, Vincent Niclot s'est laissé submerger par l'émotion en lui rendant un poignant hommage sur les réseaux sociaux. En décembre dernier, le monde de la télévision apprenait, sous le choc, la mort de Frank Sora. Celui qui avait fondé la société Carson Prod avec Jean-Luc Delarue décédait des suites d'un arrêt cardiaque à l'âge de 55 ans. Partenaire fidèle, enthousiaste et engagé, Frank Sora a tissé des liens privilégiés et de confiance avec de très nombreux artistes, qu'il a toujours su accompagner et mettre en valeur, indiquait France Télévisions dans un communiqué. À l'annonce de son décès, de nombreuses personnalités, telles que Stéphane Bern, Yves Bigot ou encore Delphine Ernotte, avaient rendu hommage à cet homme, qui aurait fêté ses 56 ans aujourd'hui. Vincent Niclot, tu représentais tant pour moi Franck. Ce dimanche 30 juillet, Franck Sora aurait eu 56 ans. Un jour difficile pour son ami Vincent Niclot, toujours aussi touché par sa disparition. Franck, c'est ton anniversaire et tu n'es plus là. C'est tellement compliqué à vivre. On les a tous passés ensemble depuis ces 20 dernières années, mais c'est le premier sans toi. Quelle vie immense je ressens. J'avais pris cette photo il y a pile un an à l'Eden Rock, ton hôtel préféré au monde, sans me douter une seconde que c'était la dernière fois, a-t-il écrit en légende d'un cliché du producteur de Star à domicile, 300 cœurs ou encore crime. Tu représentais tant pour moi Franck. À la fois un frère, un confident, une épaule, un guide, un mentor, un pygmalion, un repère, une âme sœur. Bref, un tout. Nous avions une telle complicité, une relation si fusionnelle. Personne ne pourra jamais te remplacer. Tu me manques tant. Mais bizarrement, au fond de moi, j'ai l'impression que tu continues à me guider, comme avant. Et qu'importe ceux qui t'ont trahi depuis ton départ. Vincent Niclot poursuit son hommage en adressant une pensée aux proches du défunt. J'ai évidemment une pensée émue pour ta maman, les tiens et tous ceux qui t'aimaient. Vraiment. Sincèrement. Fidèlement. Avant de conclure sur un tout autre ton, et qu'importe ceux qui t'ont trahi depuis ton départ. Je suis sûr que de là-haut, tu leur réserves bien des surprises pour la suite et que tu as déjà visiblement bien commencé. Article écrit en collaboration avec Cimedia. Step a goddess.